plus d'endeuiller la planète. Crise financière mondiale qui s'aggrave. Bien sûr, tu rêves à Rabotai avec la permission d'Hachem. Je vous souhaite à vous tous, mesdames, messieurs, Shavua Tov, Alléluia, du Tzadik Rabbechim Pito, Alava Shalom. Vous êtes tous venus ce soir honorer sa mémoire. Vous venez de voir les catastrophes naturelles. Vous avez vu les crashs boursiers, les banques en faillite. Vous avez vu les tremblements de terre, les tsunamis, les épidémies, l'insécurité qui règne malheureusement dans le monde, l'économie qui est instable. Les superpuissants, d'un côté, détruisent les armes nucléaires, de l'autre côté, ils essaient par tous les moyens de reconstruire des armes plus sophistiquées, plus importante que les premières, et on voit malheureusement, d'un côté on termine une guerre, d'autre côté déjà on prépare une autre guerre, et malheureusement, on ne sait pas jusqu'à où ça va y aller tout ça. Une seule chose est certaine. Lorsqu'on voit tous ces événements qui se passent aujourd'hui, il nous reste un seul espoir, c'est Mashiach. Et sur ça, Hachamim, ils disent, nos sages disent, « Un ben David, Mashiach ne peut venir, achetikli potamina, qu'il soit qu'il n'y aura plus d'argent. » C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin. Il n'y aura pas à faire une hiloula. Il n'y aura plus d'argent. Mais ce n'est pas possible. Un monde sans argent, ce n'est pas possible. Le monde ne peut pas exister sans l'argent. Alors comment peut-on expliquer ce que nos sages disent, que Mashiach ne peut pas venir à Chitichlet pour Tamikal, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus d'argent. C'est impossible. Chose qui n'est pas possible. Mais malheureusement, on peut expliquer que l'argent n'aura plus l'importance qu'elle avait avant. Et c'est ça, lorsqu'on commence à voir que l'argent n'a plus l'importance qu'avant, donc ça veut dire que les gens aujourd'hui, la plupart de leur argent, ils sont investis à gauche et à droite, ils peuvent être mal investis, et malheureusement, en un clin d'œil, tout peut être perdu. Donc, avec les deux HaKadosh Baruch Hu, il y a une solution. Avant que Mashiach y vienne, on voit que le monde va se réchauffer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. La terre se réchauffe. On voit des épidémies. On voit beaucoup de choses qui arrivent. Et tout cela, ça nous donne une image. Ça nous prépare à quelque chose de bon. Ne croyez pas que Mashiach, s'il vient, si Dieu veut, ça va être mauvais pour le monde. Au contraire, ça ne peut être que bien pour le monde parce que Mashiach, il va démontrer, montrer et va faire découvrir Dieu aux yeux de tout le monde. Les virus, la bombe atomique, ce sera, à mon avis, et d'après nos sages, les derniers signes remarquables avant la venue de Mashiach. Et bien sûr, nous sommes en train de voir et on voit, les uns font la guerre aux autres. Malheureusement, les guerres de religion. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qui est le plus riche? Aujourd'hui, il y a plus ce qu'on appelle la mort du prochain. Aujourd'hui, chacun, il veut être le super puissant. Qui, au niveau technologique, au niveau économique et militaire, qui est le plus fort? Aujourd'hui, personne ne cherche le bien d'autrui, malheureusement. Bien sûr, il y aura des guerres, il y aura des épidémies, et de là, il y aura la naissance de la délivrance de Mashiach. Bien sûr,
C'est ça le but de Mashiach. Le but de Mashiach, c'est de montrer à tout le monde qui est Hachem. Que Hachem, il est là, et c'est le Créateur. Ce Créateur que pendant presque 6000 ans est passé à l'oubli. C'est pas tout le monde qui croit en lui. C'est pas tout le monde qui le vénère. C'est pas tout le monde qui prie du matin au soir au nom de Dieu. C'est pas tout le monde. Bien sûr, grâce à Dieu, il y a encore, Baruch Hashem, ceux qui appellent au nom de Dieu. Mais le reste du monde, et le Créateur n'a pas uniquement créé la moitié du monde, il a créé tout un monde. Et c'est tout un monde qui doit un jour réclamer Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Melech dans la Vaed. Veya Adonai le Melech al kol haaretz. Que lorsque Mashiach viendra, le monde entier, tout le monde va crier, c'est Hachem. Et bien sûr, les gens vont aussi crier, Hawaja, Hawaja Idawina. Ouais, parce qu'il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de morts. Le monde va changer. Ce Hawaja Idawina qu'on chante chez Rabbi Chaim Pinto, eh bien, c'est ce Hawaja Idawina que le monde entier va crier au nom. Au nom de HaKadosh Baruch Hu. Ils vont tous réclamer le nom de HaKadosh Baruch Hu. Mes amis, je voudrais simplement vous dire, beaucoup des gens qui sont en train de m'écouter vont dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va venir Mashiach? Moi, je vous dis quelque chose. Le Rambam me dit, on doit l'attendre. Il faut l'attendre. Et même s'il ne vient pas, eh bien, on continuera à l'attendre. Mon père, Alav Shalom, jusqu'à l'année de sa mort, il avait une émouna, il avait une foi. Il disait, Mashiach, je vais le voir, il va venir. Par contre, ce Baba Salé aussi, que toute sa vie, il vivait, il a même promis à certains juifs, il leur a dit, tu vas voir, moi et toi, on va sortir avec lui, Mashiach. Malheureusement, Baba Salé, il est mort, il est décédé, et ceux à qui il a dit que toi et moi, on va voir Mashiach, aussi sont partis. Alors quoi? On va mettre notre émouna, notre foi en doute, que Dieu préserve. Notre émouna, elle continuera à progresser avec toutes les difficultés que nous traversons. Le contraire, c'est grâce à ça que, avec les deux Akash Baruch Hu, comme qui dit à Rambam, Em kozot afabishit mahmeya, Em kozot ahakelo, même qui tarde de venir, et moi je crie fort, il va venir, Mashiach, Mashiach. Moi je continuerai toujours à l'attendre et à croire qu'il viendra. Et lorsqu'on attend la venue de Mashiach, même qu'il n'est pas venu, alors Akadosh Baruch Hu, je t'abâche chez moi la had. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est, il considère ce qu'on est en train de faire comme ceux qui ont la plus grande émouna en Akadosh Baruch Hu. Je voudrais simplement vous dire, à quoi sert que nous, on habite dans les villas, on est bien gâtés, et Hachem, au lieu qu'il soit dans chez lui, lui qu'il soit dans son Beth Amikdash, il est en exil. Nous, quelque part, on habite au 16e ou 17e, on habite à Manhattan, on habite à gauche à droite, et à Kadosh Baruch Hu, il est en exil. Donc avec les mouna que nous avons, Mashiach viendra, et qu'il va si Dieu restaurer le royaume d'Hachem, avec cela, on aura tout ce mérite de le voir. C'est la maison de Rabbi Chaim Pinto Alav Shalom. C'est dans cette maison que HaKadosh Baruch Hu a préparer l'avenir du clan d'Israël, du peuple d'Israël. C'est dans cette maison, Rabbi Chaim Pinto, il est né, où moi je suis né, où mes frères ils sont nés, où mon grand-père il est né, mon arrière-grand-père il est né. Dans cette place là que vous voyez là où il y a ma photo, c'est là où je suis né, c'est la chambre où je suis né. Et aussi c'est la chambre de Eliyahu Navi Alav Shalom, c'est là où Rabbi Chaim Pinto il a étudié la Torah avec Eliyahu Navi Alav Shalom. Kadosh Baruch Hu il a préparé cette maison pour le peuple juif. Grâce à Dieu aujourd'hui, vous voyez comment HaKadosh Baruch Hu, dans une génération, voilà, c'est dans cet endroit que vous voyez, c'est là-bas où Rabbi Chaim Pinto il est allé s'asseoir
voilà le qui c'est, dit Léon Navi, de Rabbi Hilpi de Alav Shalom, 100%, non seulement qu'il a étudié le Torah Léon Navi, mais il le voyait. Et c'est dans cette maison qu'Hachem a préparé la venue de Mashiach. Donc je dis la venue de Mashiach parce que sans Torah, Mashiach ne peut pas venir. Sans leadership, sans des enfants qui étudient la Torah, Mashiach ne peut pas venir. Donc, quand je vois au fond, j'espère et on espère que nous sommes des bons shlichim, nous sommes des bons messagers de la Kadosh Baruch Hu, afin d'apporter la Torah, d'apporter une main, aider nos frères là où ils sont, dans le monde. Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, merci du cadeau que tu nous as donné. Merci à toi. Le rap demande que tout le monde, pendant la sonnerie du chauffard, pense à sa famille et fait une prière. Quand que Mashiach y vient, on ne va pas rester les mains croisées. On vit les époques dures, les guerres, les choix, la joie, l'antisémitisme, les crises boursières, des banques qui s'effondrent, et nous, et la Torah, elle va devenir quoi? Et Hachem. Il y a toujours, on restera toujours ses représentants. Et bien sûr, entre temps qu'on attend Mashiach qui vient, on continue à ouvrir et des yeshivot. On n'a jamais vu autant de Torah dans n'importe quelle génération comme notre génération à nous. Regardez ceux qui sont là depuis 40 ans, qui s'élèvent à Paris il y a 40 ans. Regarde aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est ce qui se passe à Paris. Mes amis, un commerçant qui a des usines et qui a des centaines d'ouvriers, lorsqu'il rentre dans une usine, il voit les ouvriers qui travaillent. Il est heureux. Il sait qu'il a des dépenses, mais il sait qu'il a aussi un bénéfice. Lorsqu'on ouvre des institutions de Torah,
n'y a pas de bénéfices, il n'y a que des dépenses. Il n'y a que des dépenses. Il n'y a pas de bénéfices, il n'y a que des dépenses. Parce que c'est des gens qui étudient la Torah, c'est des rabbins qui étudient la Torah, c'est des jeunes à qui on doit enseigner la Torah, et on doit payer. Il n'y a que des dépenses. Donc, à Rabotai, on sait très bien que de plus que la production augmente, le business prospère. Lorsqu'on voit une usine, des semi-remorques, des camions qui se rentrent, qui sortent, on dit « Ah, de cette affaire-là, de cette usine, ça marche très bien. » Chez nous, notre affaire, c'est la Torah. D'ailleurs, la Torah, elle s'appelle « Esek ». La première question qu'on demande à l'homme après son 20 ans lorsqu'il meurt, est-ce que tu as fait de la Torah un business? C'est pas un business pour gagner de l'argent. Parce qu'en général, la personne, toujours, elle prend de son temps pour gagner de l'argent. Mais l'argent, on le laisse là. Mais est-ce que tu as pris de ton temps pour gagner du temps, pour gagner la Torah pour plus tard, pour après 120 ans? Le essai de la Torah, le business de la Torah, étudier. Utiliser ton temps pour la Torah, comme les gens ils utilisent leur temps pour le business. Ils gagnent, il y a de l'argent à gagner. Mais lorsqu'un homme il fait du business avec la Torah, il gagne la Torah. Et c'est ça, mes amis, notre but. Notre but aujourd'hui, il n'y a que des frais. Il n'y a pas de rentrée. Il n'y a que des frais. On ne gagne rien avec les rabbins à qui on paye. Ils ne nous donnent rien. On échange. Ils viennent, ils étudient, on les paye. La bouteille, mais je peux vous dire une chose. Et Hachem est témoin. Le plus grand bénéfice que j'ai et la plus belle satisfaction que j'ai, lorsque je rentre à l'Yeshiva, je rentre au Beit HaMidrash et je vois les étudiants qui étudient la Torah. D'un côté, je suis heureux, de l'autre côté, je suis jaloux parce que je ne peux pas faire comme eux. Mais je ne peux pas faire comme eux parce que sinon, comment je vais les aider? Comment je vais les payer? La bouteille, les gens, ils dépensent des milliards. Comment pour protéger leur pays? Une seule chose est à savoir, qui c'est le vrai protecteur? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui ne protège pas la ville. Avec quoi tu peux la protéger? C'est Hachem qui, avec autant de technologies que tu peux inventer pour protéger la ville contre l'ennemi, un petit tremblement de terre et tout s'écroule. Mes amis, je pense que la plus belle chose pour économiser l'argent, économiser le temps, c'est de s'asseoir et d'étudier la Torah. Thank you.
pas le mérite du tzaddik alav shalom, mon père alav shalom, que c'est par son mérite, HaKadosh Baruch Hu, il donne à tous ceux qui aident la Torah, surtout le soir de, pour le 5 décembre. Donc vous tous, vous allez être là pour vous solliciter pour aider tous ceux qui utilisent la Torah là où ils sont dans le monde. Mon père alav shalom, que HaKadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous un voyage fait spécialement pour vous venir sur le tombeau de mon père alav shalom, que ce mérite soit avec vous à mes cœurs. Il vous donne Brahma et Slaha du Sput Rahiminu, c'est le Kébé de Rahiminu, pour le 6 décembre, le 5 décembre, 6 décembre, et le Lot de Rahiminu, de tous ceux qui nous aident, que Hachem nous protège et nous donne Brahma et Slaha. Un peu la fin, le début et la fin. Lorsque Hachem a créé le monde, comment va être sa fin des temps? Mais il faut savoir une chose, que la fin des temps, elle n'existe pas. C'est toujours un début du temps. Ça n'existe pas la fin des temps. Même qu'on entend la troisième guerre mondiale, les guerres, les épidémies, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on entend. Mais nous, on ne croit à rien du tout. Lorsqu'on sait qu'il y a la Torah, lorsqu'on sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui protège le monde, lorsqu'on sait qu'avec la Torah, on ne peut que construire et créer de jour en jour. Mais malheureusement, les effets, ils sont là. Il y a des catastrophes, il y a des épidémies, il y a malheureusement des guerres. Ça, on peut pas nier tout cela. Mais une chose est certaine. Que votre Hachem, la Torah m'a dit non matsoulé. La Torah elle protège. Et ça, c'est notre but. Notre but aujourd'hui, on est tous là ensemble pour, avec les deux Akash Baruch, pour travailler ensemble, pour qu'on continue ensemble à propager la Torah. Vous d'un côté, moi de l'autre côté. Regardez mes enfants. Votre Hachem, aujourd'hui vous avez mes enfants qui vous aident. Rabbi Raphaël d'un côté, Rabbi Moshe de l'autre côté. Rabbi Yoel et Rabbi Michael de l'autre côté, vous avez bien vu, vous allez voir bien le beau travail qu'ils font. Bon, moi, ce que je peux dire, merci au ciel, merci à Kadosh Baruch Hu qui m'a donné cette possibilité de voir mes enfants, Baruch HaShem, propager la Torah. Et c'est le plus beau cadeau du ciel que Kadosh Baruch Hu m'a donné, c'est de voir mes enfants qui continuent à faire propager la Torah. Grâce à Dieu, cette année a été bénéfique. On a ouvert le centre du
seront deux au du plateau, grâce à Dieu, c'est Rabbi Yoel qui s'en occupe. Or Hachem, Rabbi Moshe s'occupe. Or Hachem, du 11 au du plateau, Or Hachem, et il y a là-bas presque des centaines de personnes qui vont écouter ces cours de Torah. Rabbi Raphaël, que le bon Dieu le protège lui aussi, entre Marseille, Israël, Lyon, tous ces centaines de personnes à qui il enseigne la Torah, il voyage parfois des semaines sans voir sa femme et ses enfants, quand je veux beaucoup les aider. Bon, moi de mon côté, lorsque je vois tout cela, ça ne peut que me donner la raison de vivre. Et sans ça, c'est quoi ma raison de vivre? C'est de voir la Torah se propager. Baruch Hashem, cette année était bénéfique, comme je vous ai dit. 30 heures du plateau. Baruch Hashem, à New York, on est en train de construire un centre à Ra'anana, Baruch Hashem, et à Ashdod City. Baruch Hashem, Raphaël a ouvert là-bas des Bat Midrash, il s'en occupe très bien. Et Baruch Hashem, on a d'autres projets ici à Paris, je ne peux pas vous dire, mais si Dieu veut, d'ici l'année prochaine, vous allez voir que un troisième centre, il va ouvrir. Mais on est à la recherche. Peut-être, si Dieu veut, on a trouvé quelque chose. Mais là, je ne peux pas vous dire. Et surtout, on est Be'ezat Hashem à Issaouira. Bon, à Issaouira, on ne peut pas construire là-bas des Shiva. Et là-bas, c'est le mausolée de Rabbi Chaim Pinto. Mais là-bas, si Dieu veut, on est pour parler avec la mairie d'Issaouira pour construire un mikvé pour les pèlerins. Ce que vous voyez derrière moi, c'est les objets de Rabbi Chaim Pinto, les objets de mon grand-père, Alav Shalom. Baruch Hashem, lui, n'est pas là. Ces objets, ils sont là. Mais lorsque chaque fois je rentre dans mon bureau, je vois les objets de Rabbi Chaim Pinto, Alav Shalom, à quoi je pense? Je pense que si les objets de Rabbi Chaim Pinto ont la valeur, alors lui en personne, la valeur qu'il représente. Mes amis, je vous bénis à vous tous. Que le bon Dieu vous protège. D'ailleurs, je ne sais pas, vous allez voir tout à l'heure toutes les bénédictions que je vous ai faites. Et sur le tombeau de Rabbi Chaim Pinto, je suis parti spécialement vous bénir là-bas. Je suis parti à Maharet Amarpela, j'ai pèleriné Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs femmes pour cette belle soirée du 6, du 5, du 5 décembre. Et bien sûr, sur le tombeau de mon père, vous allez voir. J'ai été spécialement pour prier pour vous. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés pendant toute l'année, tous ceux qui se sont donnés corps et âme, que ce soit les présidents de la communauté, de nos institutions, les présidents de Lyon et de Paris, et du monde entier, que ce soit nos secrétaires, le staff, tous ceux qui travaillent avec nous, que ce soit Hanania, Soussan, William Marciano, Yoni et Hélène. Et bien sûr, mes enfants, que le bon Dieu le protège, que je leur donne beaucoup de santé, qu'ils continuent à faire tout ce beau travail qu'ils ont un travail, une lourde tâche. Ils ont très très lourde tâche sur leurs épaules, que la Hachem les protège, que la santé. Et la bouteille, encore une fois, merci à vous tous d'être venus ce soir. Ensemble, on va bâtir, on va construire l'avenir de Mashiach. Ensemble, on va construire la Torah que Hachim nous a donnée. Et ensemble, Be'ez Hashem, on ira tous à l'encontre de Mashiach. Amen.